Est-ce que vous m'entendez? Hop, normalement, ouais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de son sur le micro, mais là, ça va. Ok, super. Par contre, la musique est peut-être un peu forte. J'ai l'impression que ça monte pas mal. S'il y a quelqu'un dans le chat, est-ce qu'il peut me dire si la musique est trop forte par rapport à ma voix? Après, j'ai pas trop touché la dernière fois, ça avait l'air d'aller, donc on verra. Moi, je n'entends pas la musique en fait. Un peu fort? Ok. Là, la dernière fois, je l'entendais, c'est pour ça que je mettais pas fort. Et en fait, j'ai modifié un ou deux petits trucs là. J'utilise Voice Meter Banana, c'est pour utiliser plusieurs sources de musique. Et en fait, j'ai pu désactiver, du coup, j'entends plus la musique. Ouais. Je peux mettre ma propre musique de mon côté, ça c'est bien. Du coup, on va le baisser un peu. Là, ça va peut-être être mieux. Ici, on va essayer comme ça. Le son est différent. Le mien est trop fort. Après, là, ça va dans le jaune, donc c'est peut-être un peu saccadé. Je vais peut-être baisser un peu, moi aussi. Ma voix sonne différente. Ok. J'avais mis un petit filtre. Peut-être que je vais le retirer. Parce que, ouais, si elle sonne au moins mieux ou moins bien, attends, je vais profiter qu'on soit encore là. Là, voilà, je vais désactiver le truc pour voir. Là, elle est mieux ou pas ma voix? J'ai désactivé le truc. C'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça? Du coup, en désactivant le nouveau truc ou pas? Oh, t'inquiète, hein, c'est des petites commandes que j'avais essayé de l'améliorer. Et c'est mieux comme avant? C'était plus fluide? Ou ça change pas grand-chose? C'est bien là comme ça? Ok, bon, je retire le. Est-ce que je l'avais désactivé ou pas du coup? Non, il est activé. Ok, d'accord. Contre, j'avais mis du gain et j'ai peut-être pas besoin de gain là, je vois, ça. Ça a peut-être pas besoin. Ouais, là, c'est peut-être mieux comme ça. Ça va moins dans le jaune. Ouais, normalement, c'est censé améliorer. C'est censé améliorer là ce que j'ai fait. J'ai mis un égalisateur pour la voix, pour que ça soit plus équilibré, tout simplement. Et j'essaie de me tenir un peu plus proche du micro, même si c'est pas facile d'être collé au micro. Ils disent 1 cm max. Pas facile. Ouais, c'est mieux. Ok. Hop, on peut aller là aussi, tout simplement. Tu travailles pas cette heure-ci d'ailleurs ou t'es en. On est jeudi. T'es en télétravail? Trop chaud le café, je l'ai oublié du coup. Ça va pas être plus là pendant 5 minutes. Peut même aller directement. En fait, je sais pas, elle sert pas à grand chose en fait cette scène. Elle est plus jolie, mais elle sert pas à grand chose. On est parti directement ici. Comment en automatch. Et il n'y a pas grand monde. Dub, il y a 2-3 de Q. Lui il a un type D, j'ai pas trop envie. On sait jamais. Même sur lequel j'ai cliqué. Ah non, ils sont tous un type D en fait. C'est un type D peut-être lui. Ouais, lui ça va. Il propose 15 minutes. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être un tout petit peu mieux que ce que j'avais. Parce que 25 minutes, bon, je fais une partie, c'est fini, quoi. Salut à toi, Goshi. Je finis à 16h15 et télétravaille aujourd'hui à cause des grèves. Ah oui. Ils allaient visiter. C'est gentiment dit, visiter. Ouais, je lui proposais lui. Ça semble bien. 15 minutes. Ok. Ça paraît pas. Il a accepté quelqu'un d'autre et ça m'a. Normalement, ça met qu'on s'est refusé. Ah non, ok. Là, normalement, ça l'ouvre. Bon. Salut, bonne partie.
Ouais, j'avais oublié qu'il y avait hier et aujourd'hui, du coup, un peu des. Bah, à Rennes, en tout cas, il y avait. C'était bloqué hier et aujourd'hui. La fac. Un bien méchant. Ouais, j'ai un peu plus de temps, c'est bien 5 minutes. Je pense que là, c'est souvent, il me manquait. J'arrivais, il me restait. J'arrive toujours dans la dernière ou l'avant-dernière période de biomimie. Donc 5 minutes de plus, ça peut être bien. Surtout 5 minutes de plus à consacrer aux 30 premiers coups. Là où j'utilise. C'est là où je crame mon temps à chaque fois. La dernière fois, ça a été un peu compliqué. Même si ça a fait, je sais plus. C'était le combien? C'était. Ouais, 15 minutes, c'est bien en vrai. Ah, les 25 minutes, elles sont bien en vrai. J'aime beaucoup les parties en moyen. C'est ça? Non, ouais, c'est ça, c'est en moyen dans l'automatch. Mais du coup, aussi bien j'en fais une, c'est fini quoi. Allez, ici. J'avais dit que j'essayais de moins faire les deux comme coup, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Parce que 99% du temps, il va venir approcher le deuxième. Et c'est agréable. Que ça me donne un coin. Et ici, s'il va haut, ça va. S'il va bas, il y a toujours des invasions. S'il va haut, ça donne envie d'aller direct. Là, j'hésite soit à aller directement R12. C'est pas un mauvais coup parce que c'est la direction de mon Shimari. C'est quasiment senté. Il y a pas mal de faiblesses en fait par ici. Ou alors je. Ouais, je peux l'attaquer. Ici, j'aurais envie de faire Sensen, je pense. C'est très libre, le tour. Ça dépend comment il a envie de le jouer. Et ici, je pense que je vais. Ah, l'approche en F3 est pas très bonne, je pense. Parce que je suis très plat là. Donc ça a un peu condamné ce bord. Le Joseki, en fait, il condamne un peu le bord direction noire ici. Là. Donc approcher de l'autre côté si je veux approcher. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ah c'est ça en fait, 10, même pour toi qui aime les parties rapides, en fait 10 ça. Si t'as besoin un moment de 2 minutes pour te poser et réfléchir à un truc, ben ça peut te coûter très cher direct quoi. Très fan de son. C'est quand je vais là. Une extension ici ou là et les deux me font chier. Peut-être que j'aurais dû aller là d'abord. Il joue et j'approche. Ouais. Pour le moment, on va là. Je préfère le territoire. Ah, c'est ça, ouais, parce que l'autre fois, je m'étais fait avoir. Il y avait un gars qui proposait 10 minutes où j'ai fait sur sa partie. J'étais sur sa partie, mais. Ces 10 minutes, c'était avec deux paires de 10 secondes, un truc genre. Donc, d'abord les grands bords. Donc les plus grands bords, ils restent ici, ici, ici. Ici, on a dit que c'était un peu condamné pour l'instant. Bien sûr, au bout d'un moment, quand il reste plus que ça, ben, tu le joues. Je peux tenter de ne pas venir trop proche non plus, parce qu'il est devenu fort. Donc soit je viens vers là, soit j'essaie d'aller direct dans le coin, si c'est mon idée. Et sinon, il y a là. J'hésite entre les deux. Et honnêtement, je joue à la direction de mon Shimari d'abord. Cinq fois 30, ça va, 30 secondes, ouais. Mais je crois que dans l'automatch, c'est 5 fois 20. Du coup, ça passe super vite, je trouve, 20 secondes. 30, c'est bien, ouais. Et du coup, il me laisse la possibilité d'aller de l'autre côté. Ça, c'est chouette, par contre. J'ai pu rajouter un coup ici et je vais me casser. Bon, par contre, je suis vachement écrasé. Normalement, j'aime bien mixer. Donc, ici, j'aurais peut-être dû jouer haut, par exemple. Pour essayer de jouer pas haut par là, menacer de faire quelque chose. Parce que là, il est très solide, en fait, aussi. Si je vais directement ici, qu'il tape quasiment sur le E17, je monte. Il pince derrière.
Entre pinces, ça fait combat. Ça peut être intéressant, sachant que je suis solide ailleurs. Si j'ai qu'un seul groupe à regarder. Et en plus, ça laisserait encore la faiblesse en C17 comme celle de C3. Et ça, je le vois, je pense pas que ce soit mauvais, hein. Je le vois souvent, les joueurs plus forts que moi, en tout cas. 17. Là, je suis assez content quand même, je peux aller coin bord centre. Hein. Donc, il va faire de l'influence, comme je suis pas allé en quatrième ici. Là, c'est ouais. D'autant plus, ouais, ça aurait été cool la quatrième. Bon, je vais aller vivre dans le coin quand même. Dej, hop. Tari. Ici. Ok. Et la fin de. Normalement, la fin de Joseki ici, c'est je joue là. Que je peux le jouer. Et là, il tourne là. Parce que normalement, c'est pour ce coup-là, au lieu d'une extension, imaginons la pierre blanche là qui vient noire, une extension normale, ça il m'écrase en jouant là. Alors que si je fais une petite extension, un petit obi ici, quand il avance, je peux faire la gueule de tigre directement et être assez dynamique. Et là, il faut regarder l'Atari. Mais j'ai l'impression que je peux quand même. Ça laissera quelques petites faiblesses en G18, mais bon. On va pas le faire tout de suite non plus, parce qu'il a sa pierre. Il faudra s'occuper de sa pierre. Ok. Je pense qu'il faut que je joue le coup de forme. Tant pis hein, si je vais faire un angle vide. Je peux même jouer le coup. On va connecter. C'est pas beau, mais bon. Je viens là. Si je descends, il tourne. Ouais, non, je pense que c'est plus important, hein, parce qu'en fait, quand il fait Magari ici, il a une très belle force sur l'extérieur. Je préfère rester, tant pis, un peu faible, mais sortir. Bizarre ça, par contre. Me laisser, il faut qu'il continue une fois, je pense. Ou alors qu'il aille, d'abord en G18 et qu'il continue une fois. Que de laisser le double nez à la tête de Pierre. Je vais écraser sa forme en fait. On a le double nez directement grâce à ça. Et oui, il sera vivant, mais il a pas le droit de me laisser sortir comme ça. Soit cette forme. Après, j'aime pas trop ce que ça lui donne. S'il fait ça qui est quasiment gratuit, ça me fait un angle vide. Je pense que je vais connecter en dur. Ok, donc là, si maintenant lui il joue dans ce sens-là, ce bord redevient intéressant en fait. Donc, déjà, c'est le bord où il reste le plus d'intersections libres, donc c'est, je pense que doublement intéressant pour moi d'ailleurs. Ok. Alors, l'attaque, l'attaque. Lâcher la souris 2 secondes. Il me reste combien de temps? Oh la vache. Mais par contre, ouais, je sais pas pourquoi il met 15 minutes. Si c'est pour utiliser 1 minute 30 seulement pour le Fuseki. C'est un mystère, ça pour moi. On connecte directement. Ou en bas d'ailleurs.
que sauter, est-ce que c'est vraiment bon? Ici, il pourrait tourner un moment. Il a déjà renforcé de ce côté. Je pense qu'il n'y a pas trop de mal à ce que je connecte. Pas dramatique. Je peux même menacer de rentrer dans son truc. En fait, il faut que je finisse NT. Parce que j'ai pas envie qu'il tourne là. Là, ça menace de faire ça. Où il y a le double atterri ici. Donc il va répondre, non? D'accord. Faudra qu'il fasse attention à ce groupe. Ça d'abord. On va aller là, hein. On va jouer agressif. Si je viens ici. Là, il y a quand même quelque chose à faire, je pense. Je viens ici. Pour être agressif. Au pire, il connecte de ce côté. Mais si je peux prendre ça. Je vais là. Si je vais ici, c'est un peu gourmand. Il vaut mieux que je prenne la pierre. Il fait Atari. Il fait pas Atari. Ok. Ok. Donc il préfère se faire enfermer. Qu'est-ce que je peux faire ici? Si je descends, Atari de ce côté, je monte, il prend les pierres. Ah, il manquerait une liberté. Hein. Tac tac tac. Ah non, il faudrait que j'aie la liberté ici. On va faire tac tac. Non, je peux pas. Dommage. Bon, on va connecter par là, je pense. C'est pas si mal, on a maintenu séparé. On a gagné quelques petits coups ici. On est santé. On est santé, ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est important d'aller ici, man? C'est pas si mal, ça défait, ça alourdit vachement sa forme. Si je fais l'Atari là, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, c'est bien, déjà un Atari. Maintenant, ici, là, quand il est monté là, je pense qu'il voulait une extension. Si je fais une deuxième maintenant. C'est cool pour moi. Il y a ça aussi. Il est très très fort.
Ça va l'obliger à tourner là. Et ça consolide ma position ici. C'est pas mal ça. Il va tourner en B18. Peut-être que j'aurais dû jouer G18 aussi. Non, je sais pas si c'est synthé. Ok, il vient de ce côté. On va s'étendre. Il vient là, c'est logique, ouais. Ok. On continue à mettre de la pression ici. Quelque chose ici ou pas? Dangereux pour son groupe. On va. Il peut vivre comme ça? Quand même pour l'instant il y a un 4 idiot, c'était risqué. 5 minutes Fox style. Ouais, c'est chaud en vrai. 5 minutes 5 fois 30 secondes, 30 secondes pour un coup en soi, ça va, hein, c'est pas mal, mais dans les tsumego c'est direct de la merde un peu. Je risque rien. J'ai pas compris son Tenuki ici, surtout que c'est pas le plus gros coup non plus, hein. Au pire il prend ça. Réfléchis, réfléchis, si je vais là, il vient ici. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai oublié, il faut que je le change à la fin de cette partie. Tu coupes et tu réfléchis après. Ten seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Il vient ici. Tac, tac, tac. Bon, maintenant mes coupes. Enfin, ça a l'air d'aller. Parce que même si à un moment, à cause des Atari, il parvient à me couper ici, je vais là, à 18, et je suis vivant en fait. Localement, j'aurai mes 4 libertés. C'est pas dramatique. Si je vais ici. Tac. C'est ce qui vise, justement. Ok. Ah, m'empêche de faire ça. Elle est là ensuite. Bon, la forme est pas folle, mais bon. Pire, s'il va ici, je peux reculer en angle vide pour conserver les formes. Parce que si je fais Atari, ça pourrait être un mauvais Atari. Les gens m'ont dit souvent que quand tu peux faire Atari des deux côtés, il vaut mieux s'abstenir. Ça pourrait être un mauvais Atari, je risque de le renforcer. J'ai pas envie qu'il me le retire des libertés ici. J'ai peur des coupes plus tard là. On va juste reculer.
Sens, si j'ai ça, je peux risque plus grand chose dans la partie. Ouais. Comme ça ici, tac tac. La coupe ne marche plus. Là normalement ça va. Ouais. Hop. Hop. Ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon. Dommage son Tenuki ici. Je pense que la partie est équilibrée avant. Oui, par contre, ouais, quand tu. Par rapport à l'idée, quand tu fais quelque chose comme ça, même si ça se transforme en erreur, il faut aller jusqu'au bout de ton idée. Bon, il est vivant des deux côtés. Est-ce que ça vaut le coup de cadenter ces 4 pierres? Ou de joyeur? Ouais, non, là c'est gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pop pop pop. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va connecter gentiment. On va connecter gentiment. J'arrive pas à trouver ce que je devrais jouer ici. Alors, ce coup, c'est est-ce qu'il y a la coupe? Ok. Qu'est-ce que je dois jouer? Je regardais en fait s'il n'y avait pas des choses dans le coin. 10 seconds. One, okay. Two. C'est compliqué, on va d'abord essayer de créer de la G. Je vais retirer le son, ça m'embête un peu, je trouve. Préférence. Tant pis, j'avais perdu une. Bah, j'avais eu du mal avec le temps une deux fois, mais je préfère essayer d'être plus vigilant plutôt qu'être embêté par ce son. C'est 10 minutes lui, ok. Pas trop envie d'abîmer cette pierre. Pas trop envie d'abîmer cette pierre, on va juste continuer un coup. Ok. La coupe, il faut que je trouve le timing. Si je viens ici, il devra ajouter un coup parce que ça c'est trop intéressant. Il va jouer là. Si je fais la tarée tout de suite, il vient de se compliquer la vie, je crois. Je crois qu'il aurait dû connecter. Alors, soit je joue ici et ça peut faire très mal dans le coin, soit je joue là pour prendre ses pierres. Et je pense que, en fait, quoi qu'il arrive,
Ça fait pas le faire ici, parce que quand je joue ici, en D5, même s'il vient là, il y a l'Atari. Atari. Revient fermé. Comment est-ce qu'il peut s'arranger ici? Juste une connexion en double angle vide? En plus, ça a les faiblesses là. Donc, ouais, je pense que c'est bien mieux. Après, il a eu raison de tenter des trucs. Ouais, c'était un peu gourmand d'ailleurs, mon G3. Pense qu'il aurait dû connecter au-dessous et se casser et me laisser pas partir. Il aurait fait quelques petits points ici, pas fou, mais bon. Il essaie de glisser derrière. Si je prends les pierres, je suis content. Non, il y a ça, mais il faut que je fasse attention à la coupe. Il faut toujours que je surveille cette coupe ici. Cette merde. J'ai l'impression que je peux une fois. Il vient ici. Et je peux m'en aller, tout simplement. Faut qu'il fasse attention là. Je m'en vais. On va relire ça. Y a pas de souci. On s'en va. Peut-être que j'aurais dû capturer. C'est peut-être la gourmandise que je fais. J'aurais peut-être dû capturer. Salut à toi, Raleur. Ah, j'aurais dû capturer. En fait, comme j'étais bien en avance, c'est bête. Je lui dis juste, tiens, en fait, regarde, encore un groupe instable. C'est bête. Ouais, là c'est. Je lui dis juste, la partie est peut-être pas finie, t'inquiète. J'ai cette souris. Alors. Là, il va essayer de réveiller tout ça, là, la suite d'Atari pour couper. Mais bon, encore une fois, si j'ai moins à 18, de ce côté je suis vivant, si j'ai moins à... tant qu'il sort pas ici. Si j'ai le à 18, je suis vivant. Même j'ai 18. Hein. Ouais, j'ai été très gourmand. Voilà, il doit y avoir des moyens de connecter par ici. Là, le temps. Ah oui, du coup, comme j'ai plus le bip bip, je fais plus gaffe maintenant. J'ai plus que 30 secondes par coup. Aïe aïe aïe. Ah, il doit être content là, il revient dans la partie. Il doit y avoir moyen ici, hein. Rien qu'avec la descente G2, ça le force à rajouter quelque chose par ici. C'est très gros, mais même s'il prend ses pierres ici, je les sacrifie. S'il coupe dans ce sens-là, ça se passe bien pour moi. Connect, non?
Donne là d'abord. Là, c'est tout ça. J'ai quand même compliqué la partie, hein. J'aurais pas dû compliquer ça. Ouais, je prenais les pierres ici, j'étais connecté. Il devait quand même s'occuper de ça, au cas où. Qu'est-ce qu'il fait, non? Je joue là. Capture. Je recule en C2. Tout ceci est beaucoup trop gourmand. Ouais. J'ai que 30 secondes, il faut pas que je parte sur des. Directement, le. C'est pas bien. Hop. D'abord ici. Et normalement ça passe du coup. On vient là. Je joue ici. Sauf que là, du coup, j'ai deux points Miaï pour faire des yeux, non? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça va être chaud. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je joue avec le feu quand même. Je gagne pas la course à liberté. Pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi je donne des pierres? Bon, il faut qu'il fasse attention à pas en donner non plus des libertés. Il faut qu'il fasse attention là. Il faut me laisser connecter et capturer ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je crois que j'ai un coup. Je crois que j'ai un coup en ma faveur pour en tirer quelque chose. Tac tac. Mais bon, ouais, je fais le con. Hein.
Ah oui, c'est une bonne menace, oui, effectivement. Est-ce qu'elle vaut autant que tout ça? Est-ce qu'il peut me tuer ça en fait? Ah oui, mais non, mais ça se ressuscite. Oui, non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça ressuscite tout ça aussi. Ok. D1. Ça menace d'aller là. Et de tuer tout ça. J'ai l'impression. Ouais, compliqué comme partie. Enfin, je l'ai rendu compliqué, on va dire. On rappellera, ouais. Petit F8 là. Paris. Ça. Ouais, ça suit. Merci à vous. Non, merci à toi, Najai, pour le raid de 5 viewers. Bienvenue à tous, du coup. Ça a pas fait de son. Pourquoi ça a pas fait de son? J'ai peut-être pas mis un truc pour les raids parce que ben, je pensais pas être raidé par quelqu'un. Bienvenue à vous tous. Il s'est pas aidé non plus. Non, c'est clair, oui, c'est chaud. Ben. Si je viens ici directement. Il est mort, non? Il descend là. Atari, s'il protège. Ouais, compliqué. Compliqué, compliqué. Atari. No problem. That's my English. Ok. Yep, thank you. Welcome to all the viewers. I'm currently 2Q on KGS. And 2Q in the system of ranks, of the French system of ranks. Sorry for my English. Very well, very well. Normally, this group and this group are dead. And the game was finished pretty early, but I gave him a few chances to come back. But finally, it's all right. Tac tac tac. Ici. Yes, pretty brutal. Pouvez admirer mon anglais. C'est ça, pour de Dan professionnel. Oui, exactement. Suis passé Tinquin, j'ai pas cherché à mentir. Je sais pas pourquoi il continue. Je crois qu'il essaie d'avoir un Time Suji ici. Ouais, c'est clairement ça en fait, il essaye de gagner autant. On va essayer de pas faire de bêtises, donc ici on parlait de ce coup. Pas perdre la concentration, la forme en 4. J'ai failli ne pas le voir, hein. Quand il a joué G18, j'y ai pas pensé directement, parce que je parlais au viewer. Ici, tac, il cherche peut-être ça plus tard. Pour l'instant, ça va.
Pour l'instant, ça va. Il n'y a plus grand-chose, hein. Ça va. Y a ça, y a ça. Ouais. Je vois pas ce qu'on pourrait jouer de plus. Secondes. Heureusement qu'il n'y a pas 20 secondes par ce coup là, j'aurais clairement perdu par le temps. Okay. Ensuite. 17 secondes, ok. Je sais pas quoi jouer. Si je vais ici, il descend là. Ouais, c'est chiant. Reculer direct. Est-ce que j'aurais peut-être. Non. Il y a ça. Est-ce qu'il cherche le T2? Est-ce qu'il a le timing de jouer le T2? T2, je joue Q2. Il n'y a rien. Qu'il y a quelque chose ici. J'ai l'impression il essaie juste de faire des points. Donc, ça va, ça va. Ok. C'est un point. Hein. Si. On a l'impression qu'il y a, mais il y a rien. Ensuite, ça, c'est à peu près tout. Je vérifie, hein, mais 10 secondes, il faut que je fasse attention. Ça, hein. Rien du tout. Ouais, okay. Peux finir la partie, c'est normal. Le petit Atari ici en soi, mais je crois que moi, le quand même, KGS, ça compte, ça, que c'est pas un point. Passe. Ça. Voilà. Terminé. Thanks. Y a plus. Ouais, ok. Et deux, 57 et demi. Par contre, ouais, j'ai. Je me suis fait des sueurs. Ici. Tac. Non, en vrai. Je prends là. Même s'il vient ici. Ce qu'il visait, lui, c'était ça. Peux pas aller là. Mais bon. Non, bah non. Il reste quand même des faiblesses par là. Donc en fait, quand il joue là, là, il vient ici, et je fais un coup comme ça, et tout se passe bien en fait, normalement. Il reste quand même les faiblesses par ici. Il reste des faiblesses par là, par là. En sachant qu'il est mort avec ça et ça, donc c'était fini. Mais oui, j'ai pas compris, oui. Tac. Ici, du coup. Du coup, j'ai fait des bêtises. Ici, quand je joue ça. Il me laisse connecter, tout simplement, en fait, quoi. Et il capture. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et là, ça donne quoi? Je sais même pas.
Ouais, bon, le compteur de points, il dit que je suis quand même 50 euros. Parce qu'en fait, justement, je fais les points en bas, c'est cool, quoi. Ah, mais non, il dit que je suis vivant ici. Il est bête. Il est bête, il est bête. Je pense que je suis très légèrement devant. Je sais pas. Je vais être très légèrement devant, ouais. Quoique, il est mort là, hein, quand même. Parce que là, si j'essaye de faire ça. Hop. Il gagne la course, ouais. Il gagne la course. Ouais, je suis devant de 20, ils disent. Bon, à peu près. J'ai fait même de compter, là. Et ouais, ça a été bizarre. Je sais pas pourquoi il m'a empêché. Est-ce que j'avais moyen ici? Est-ce que si je descends, c'est mieux? Continue d'essayer de prendre. Capture. Et là. Je l'ai gagné, putain. J'avais pas besoin du coup. Je l'ai gagné. La petite séquence là, en plus, on voit souvent ça dans les Tsumego. Alors que moi, je l'ai joué comme ça. Et du coup, c'était. Donc ça, c'est mieux. Comment est-ce qu'il aurait joué? Qu'est-ce que t'aurais fait ici là si je descends? Il vient en prendre du coup? Mais ça passe pas, je crois, du coup. Je gagne quand même la course, il me semble. Je pense que la descente, en fait, c'est le bon coup. Non, mais en se faisant l'œil. Quand ça? Ah oui, donc je dois le jouer direct. Ok, je dois le jouer direct, en fait. Ouais, je dois le jouer, en fait, et ça reviendra à la même histoire. Ou alors il prend ici, tu dis? Tac. Tac. Attends, non, je sais pas pourquoi j'ai créé. S'il connecte J6. J6. Au reste. Là, ici, maintenant. Et là. Je crois que ça revient toujours à la même histoire. Il n'y en a plus que deux. C'est encore pire, en fait. C'est encore pire parce qu'il a joué plus tôt. Ça du coup ici là 4 effectivement. Alors est-ce qu'il n'y avait pas moyen? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ici, il y a six chacune. Peut-être que je dois faire ça du coup. En partant du principe qu'en fait, à la base, je dois faire le F8, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Ça enlève tous ces problèmes. Il n'y aurait jamais eu tout ça. Ah, il y a des bots. C'est quoi ça? Hop. Ah, il y a des bottes là. K2 était une erreur tout simplement.
Oui, je pense, oui, aussi. Hein. Simplement, en fait, là, il prend et. Nos petits trucs, et voilà, hein. Il a gagné sa course. Je vais regarder, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y avait quelque chose? B2. Il descend. Quoique. S'il connecte, il peut vivre aussi. C'est sûr, déjà. S'il descend. Ouais, je pense qu'il préfère vivre, en fait. Bref. J'ai cru que c'était des follow au début, mais en fait, non. C'est juste des bots qui sont en train de spammer le stream. Ça doit être avec le raid de tout à l'heure, du coup. T'as repéré comme potentiel. Allez. Je vais passer à la suivante. Hop, voilà. On va sauvegarder ça quand même. Et c'est une petite victoire, c'est cool. En tout cas, 15 minutes, c'était bien. C'était bien, c'était bien. On va regarder s'il y a une autre personne qui propose. Il y a un 3Q qui propose 3 minutes, puis 2 fois 30 secondes. Un 1Q qui propose 10 minutes en des périodes de 20 secondes, j'ai pas trop envie. On va demander aux 3Q hein, avec des périodes de 30 secondes. Tout simplement. De Itania, ouais. Et il a accepté, c'est cool. Je vous mets ça. Je suis en blanc du coup, 0,5 de commis, parce qu'il est 3Q, ouais. Je dis bonne partie. On y va. Et je vois qu'on est 9 du coup, bienvenue à tous. Hein. Je pense qu'il y a encore quelques anglais. Ou anglophones en tout cas. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à follow, s'il vous plaît. Si vous voulez revoir des parties, plutôt. Il y a quelqu'un qui me regarde, Nounou. Joueur français, ok. Il me regardait à la partie précédente aussi. Donc je prends le coin. Il fait une. Ok. Si je recule ici, il y a des chances qu'il joue assez haut par là. Je pense que je vais reculer quand même. Prendre un petit peu le coin. Gagner le santé surtout. Ok. Alors. Là, il a clairement envie que j'aille en C3 pour pouvoir s'étendre par exemple en D9. Par un gros bord. Ce qu'il y a, c'est que c'est assez tentant de l'écraser en C5. Il joue B5 et je vais en D6. Je vais peut-être le doublonner, je sais pas. Sinon, il y a aussi le C7 qui est tentant. Voire Tenouki, tout simplement. Tenouki, ici, viens ici, je vais là, ça m'enlève pas les coups ici. J'ai un coup gratuit, on va dire. Et sinon, ouais, peut-être, en fait, maintenant que je regarde, plutôt que C5. Vers C7 ou C8, c'est peut-être mieux. Mais pas tout de suite. On va aller jouer ailleurs. On va jouer ici. On approche de l'autre côté. On est assez bas ici, donc ça agresse un peu. Ok, il aime bien le contact. Ouf, ouf, ouf. On va prendre nos points. Il reste toujours la faiblesse en R3. Ok. On va prendre le satsan, le dernier coin. Il me pousse vers le côté où je suis plat. Ok.
D'accord. De toute façon, ce bord, comme on disait, là, ça me dérange pas parce que ce bord n'avait pas beaucoup de potentiel. Peut-être qu'ici, du coup, en face de son mur, s'il fait son extension, déjà, quand il y a une pierre noire ici, il reste des faiblesses dans ce groupe. Donc, ça m'intéresse peut-être doublement, en face du mur, de jouer R13. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Y a quoi sinon? Le bord le plus intéressant, c'est peut-être celui-là, jouer M3. Sinon, il y a aussi garder le coin en C3. Peut contrer sa force. Et ici, c'est un peu Mia. Ici, il vient en C3, je peux aller en J3, voire en M3. Et s'il vient de ce côté, je pourrais prendre le coin. Pour l'instant, il joue influence. Il essaye de mettre à profit sa force. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a encore les options du C3. Gardez le coin. Le M3, qui réveille un peu les faiblesses ici. Et du coup, j'hésite aussi pour contrer un peu cette force. Jouer par là. Pourquoi? Parce que y a un coup de. Il pourrait jouer le coup à l'épaule sur F17 en G16. Si on imagine une pierre noire ici, on voit quand même une belle sphère d'influence pour noir. Même s'il reste des points d'invasion, mais. Je pense que pour l'instant, je vais aller sur le bord le plus large. Ok, du santé. Ok. Maintenant, j'ai envie de soit C3, soit monter ici. Alors, je peux monter de ce côté aussi. Ce qu'il y a, c'est que si je vais trop de ce côté, ça pourrait retirer la J de l'approche de Oshi. En même temps, c'est la direction partagée. Parce que, imaginons plus tard, j'ai une pierre en M5, j'aimerais beaucoup avoir son E6. Et si c'est lui qui a E6, c'est très intéressant pour son groupe aussi. Ça a l'air d'être une direction partagée. Plus intéressant que le C3. Ok, qui vient ici. Intéressant, j'aurais pensé qu'il prendrait un peu en ce sens-là. Il faut que je regarde si j'ai chaud de ce côté, oui, mais de l'autre, non. Est-ce que je peux approcher? Par le bas. Si je fais là. On va venir par ici d'abord. Contrer un peu justement le G16 d'en parler. Et en même temps, c'est pour garantir le deuxième chicho par là. Il joue un gros coup de José. Je sais pas si c'était. Bon, on va venir, hein. Je vais appliquer mon coup. Ok, donc il réfute. Donc s'il vient là, je vais là. S'il essaye de couper. De monter une fois quand même, c'est bien plus prudent. Normalement, il joue. Bizarre, pourquoi il a fait de l'influence ici? C'est pour pas. Je sais pas. Il joue, il a mixé du territoire avec le jeu influence du début. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? La montée ici n'a plus trop d'importance parce que de toute façon, il pourra de ce côté. Je peux pas avoir les deux là. Tac tac tac. Peut-être juste un petit coup de retrait ici, parce que s'il vient par là, maintenant qu'il est solide, si il est vivant là, ça pourrait être compliqué s'il sépare les deux. Et pas convaincu du Toby vers le centre en M5, parce que ça laisse encore un coup par là, où il peut glisser un peu, il peut avoir une base de vie, il peut connecter par ici, il peut
peut sortir, il a 2-3 directions. Un coup vers K4, ça peut être pas mal. Tout simplement, ça fait quelques points, ça sécurise un peu la connexion. Maintenant, il faudra que je regarde cette pierre. Ouais, voilà, il va essayer d'attaquer ça. Logique. Alors, si je connecte en duel, il vient là. Ouais, il va essayer de faire pas mal de points là, en fait. On va connecter. Connecte tout simplement. Okay. Alors, est-ce que ça peut couper ma pierre? Pense que je peux connecter simplement ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat pour pas beaucoup lui ici. Connect solide. Ok. On fait la forme. Ah, blanc est content, je pense ici. J'ai fait presque autant de points que lui ici. Ça va. Ça va, ça va. Et il me donne le santé. Ça, c'est cool aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Il reste combien de temps? 2 minutes. Ok. J'ai laissé ce coup tout à l'heure. Il faudra que je fasse attention. Même si normalement, grâce à cette forme, c'est vivant. On va venir gratter par là. Et on fait ça. On s'envole les 2 yeux déjà. Il vient fermer ici. Ok. Faut que je fasse attention qu'il fasse pas trop de points sur le centre. Ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on peut faire? Viens par ici. Faire un coup de réduction. Je suis à peu près solide partout. Et on s'en va. Ok. On va le séparer. Maintenir séparé, c'est toujours intéressant. Et lui, il me laisse connecter. C'est intéressant aussi. C'est d'entrer par là. Et moi aussi je construis quelque chose finalement ici. Ça arrive.
On menace de connecter, de rentrer et on connecte. Et ici, ça commence à devenir gros. Ça commence à devenir assez gros. Salut Octarine, ça se passe bien pour l'instant. Là, j'ai gagné, on va dire tranquillement, la première. Et la deuxième est un peu plus serrée, par contre, je pense. J'ai pas compté, en fait. Faudrait que je compte. Mais quand on a 10 minutes en partie, c'est dur de compter. Là, il me reste 10 secondes. Il me reste plus beaucoup de temps, en fait. D'ailleurs, heureusement que tu m'as envoyé un message. Je fais le point, là. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Mon, je suis, même si par exemple je venais à perdre celle-là, je suis bien plus satisfait de mon jeu qu'à la dernière session. J'avais beaucoup de mal à gérer le temps. Qu'est-ce que je peux faire ici? Secondes par contre, hein. Il faut que je fasse attention à ça déjà. On va prendre les points ici, c'est très gros, j'ai l'impression quand même. J'aimerais pas du tout qu'ils viennent de ce côté. Ouais, c'est chouette en vrai, là c'est, je suis plutôt content de ça. On va renforcer par là. Ça menace de prendre sa pierre et de faire quelques points assez intéressants. Ça joue bien avec ça aussi. C'était gros aussi de faire le. Il aime bien la glissade du singe. On connecte. Je pense qu'il faut qu'il revienne. Ouais, donc. Il faudra qu'il revienne sur ça, c'est quand même. Sympathique en vrai. Ok, double Atari. Voilà. Un second. Ok. Bon, on peut aller là tout simplement. Pas trop de temps de lire certaines choses. On protège. Il protège. Peut-être qu'il a envie de jouer ça d'abord. Mais je suis pas sûr que ça marche. Ok. Moi depuis tout à l'heure je vois ce coup, mais je crois pas que ça marche. Surtout maintenant qu'il y a eu la glissade. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire ça. Éviter qu'il fasse des points ici. Protège. Ou pas. Prendre ça. Ok. Voilà. Okay. On peut aller ici. Qu'est-ce qui reste? Ça, ça commence à être très 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 gros. La connexion ici aussi est vraiment pas mal. Il y a ça aussi qui est bien. Je pense qu'on va aller là. Ça semble gros. Sans jeu, j'aurais pas tous. Le 18 serait vraiment cool de l'avoir. Non, en vrai, ici là, il fait S13. Je réponds. Il coupe par là, ça peut être bien. Ça, oui. «
Ok. Bon, c'est cool si j'ai la connexion là. Tac, ça risque rien. Je me demande si je peux vraiment connecter. Parce que s'il descend, il va là, je connecte ici. Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Oui, je suis bête, c'est gueule de tigre de toute façon. J'avais l'impression qu'il y avait un Atari. On connecte. Ouais. Ça lui fait quelques points, mine de rien, ici. Hein. Venir jusqu'ici. On veut pas qu'il fasse trop de points non plus. On va là. On va ici. Et c'est quasiment fini en fait. Ça a été assez tranquille. Pas une meurtre. Assez rare pour le souligner, dans un sens comme dans l'autre. Vraiment content de pouvoir connecter ici, hein. Ça fait beaucoup de points. Ça joue ici peut-être. Connecté ou connecté, je suis vivant des deux côtés. Ok, ici il va m'empêcher, hein. Gros, très gros, je pense. Logique. Qu'est-ce qui reste intéressant? Il restait du coup ce coup-là, je disais. Et après tout, hein. Mais je pense que là il faut. Ouais, c'est quand même gros ça. Quand même que je protège de ce côté. Il me coupe, mais c'est pas trop grave. S'il me coupe, c'est goté. Est-ce que c'est pas plus gros ça? Ah, ça sauve. Point. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. À vue d'œil, j'ai l'impression que j'ai assez de points. Vrai que c'est peut-être un gros problème aussi à partir à ce niveau-là, en temps, que je peux pas compter. C'est quand même important. Pas de bêtises ici. On va connecter en dur, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus rien. De toute façon, il n'y a pas de points à se faire ici. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant que ça de points à retirer. Ok. Tac tac tac. Ouais, il était gros celui-là. Faudra qu'il fasse attention à toutes ces petites formes ici, là. D'ailleurs, j'ai envie de maintenir cette petite forme. Mince, il y a l'atari ici. Ce qu'il y pense, non? Ok. Et ici. Ouais, plein de petites formes dangereuses pour lui. Il verra hein, normalement. Mais... Atari. Ensuite, c'est que du détail, j'ai l'impression.
Ça, par exemple. Réduction. Il y a quoi d'autre? C'est ce qu'il doit regarder aussi, là. C'est gratuit. Bon, il y a ça. 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 Oui, si. Il y a le coup là. Bon, il y a ça. C'est à peu près tout. Il y aura un coup qui devra ajouter par là. C'est à peu près tout. Beaucoup de miaille. De damé, pardon. Beaucoup de damé aussi. Oui, je. Il avait pas d'endroit où il pouvait se faire des points, genre ça. Dommage. Tac. Il faudra d'abord qu'il joue là, et même une fois qu'il joue là, Atari, il descend. Tac, même si elle a Atari là, j'ai l'impression que je risque quelque chose. Je vais vérifier. Noir, blanc, noir, blanc, pari, tac, reste. Liberté, tac, tac, tac. Petit joue là. Faire un œil. Rien à craindre, non? Rien à craindre. J'ai plus de coup de santé. C'est bien. Ok. Je joue ici. Il y aura le demi-point là. Ok, ça va, ça va. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Mais je l'avais déjà lu normalement. Il n'y a plus rien. Hein. C'est pas un point ça. Enfin après, aussi, mais il peut plus en faire en fait. Non, il pouvait plus en faire vraiment. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer là? C'est pour les damés, on va jouer les damés, je pense. Oh non, j'aurais dû faire ça. Les 5, c'était plus haut. Oui. Il y avait des 5, ouais. On sait jamais, hein, si ça se joue à 0,5. On va passer, hein. Je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Beaucoup de damés ici. Tout est parfait. C'est rare de voir ça. Ah non. Ah zut. Dommage. Et c'est bon. Super. Terminé. 11,5. Merci pour la partie. Bon, c'est bien, ça fait 2 sur 2 aujourd'hui, c'est bien. Bon, c'était peut-être pas la partie la plus trépidante du coup, parce qu'il n'y avait aucun. Par rapport à d'habitude, il n'y a eu aucun meurtre, mais bon. C'est bien de pouvoir gagner aussi 10 points contre un 3Q, c'est logique. Logique en soi. 10 points par niveau. Donc rien de choquant. Faudra que j'essaie petit à petit de retrouver mon niveau d'avant. J'étais sur KGS, j'étais première ou deuxième dan. On va dire première dan solide. Donc il reste encore du chemin avant de retrouver le niveau.
Après, dans cette partie, j'ai l'impression que je suis quand même pas mal laissé faire dans le début de partie. Je crois que j'ai loupé quelques petits timings. Je pense qu'à la place de M3, peut-être qu'il faut que je vienne. Je sais pas. Je sais pas comment, mais. Je dois empêcher la situation de se faire ici. Ou venir directement, je sais pas. Directement au BT. Supposons qu'il refasse sa séquence de tout à l'heure. Ah non, non. Non, non, il peut pas la faire là, il a pas eu le timing. J'ai pas le chichot. Ouais, donc il peut faire ça en fait. Donc c'est pas malin de ma part. Donc plutôt de ce côté. Il a ce timing là. Oh non, non, il l'a pas. Pardon. Autant pour moi. Peut-être que ça aurait été intéressant dans ce sens là. Là, du coup, c'est lui qui aurait joué par là. Bon, après, c'est une autre partie. Dur à dire. J'ai l'impression ouais, que. Après, voilà, hein, je l'ai eu à 10 points, mais. Je sais pas, j'ai eu la sensation vers le milieu de partie. Ouais, c'est ça, partie tranquille sans combat. Mais je sais pas, j'ai eu une impression de. J'avais laissé. Qu'il avait trop de points, bon, et que j'ai pu gagner grâce au Yosé. Que tant que le Yosé n'avait pas été joué, j'avais pas. En fait, tous les petits coups justement qu'il a pris comme ça. Après, voilà, on me dit moi, souvent quand je. Quand j'étais un peu au-dessous, on me disait, quand je jouais des coups de Yosé avant la fin de partie, on me disait que c'était pas qu'il fallait pas et tout. Donc, pas forcément si grave du coup. Mais c'est pas agréable. C'est pas agréable de se les faire prendre tout le temps comme ça. Oui, c'est presque le cas, hein, ouais, je. Il joue un peu mieux son Yosé. Déjà, si en haut je suis pas connecté, ça fait pas mal de points. Ça fait pas mal de points. Ouais, cette réduction, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'on n'a pas envie de pousser ici? Construire son propre truc là. Je sais pas. Est-ce que c'est pas gros ça aussi? Dur à dire. Dur à dire, dur à dire. Tout simplement ça qui était pas bon tout de suite. C'était peut-être pas le bon timing. Faire un coup de sonde d'abord en deuxième ligne. Et venir embêter. Si on fait quelque chose comme ça. Pour venir vivre ici. Comme je suis déjà installé là, ça va. Je suis haut ici, je suis assez haut là. Ça pourrait ne pas être trop mal. Il y a toujours le problème de la coupe ici. C'est pas si mal. Je sais pas. Après, je lui donne un sacré mur. Il peut faire un peu ce qu'il veut avec. Là, pour le coup, il pourrait être un peu plus tranchant par là. Moi, je pense que cette séquence aurait peut-être été sympa, en fait. Le petit coup de sonde par là. Après, oui, c'est pas mal la mode de faire des coups en deuxième ligne maintenant pour venir s'installer plus facilement derrière. Bref. Je vais faire une petite pause de 5 minutes et revenir faire une deux parties, tout simplement. Donc, à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite. N'hésitez pas à follow si vous voulez. Je vois qu'on est neuf. Merci à tous de visionner, en tout cas. N'hésitez pas à dire bonjour, à follow. On stream tous les lundis et tous les jeudis ici. Voilà. Allez, à tout de suite.
Et voilà. Alors. On va rechercher une partie directement. La troisième. Il y a un Q qui propose. Mais j'aime pas trop quand c'est des BEMI de 20 secondes. En plus, il n'y a qu'une période. C'est assez court. Il y a quoi? Il y a un 3Q. Il y a des 3Q qui proposent. 30 minutes, 30 périodes. Bah oui, c'est très bien ça. Parfait. 30 minutes et 5 périodes de 30 secondes. Ah, bon, il a refusé ma proposition. Dommage. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on va remettre la caméra. Ensuite, il y a pas grand monde. Peut-être créer ma propre, ou je sais pas. Soit je crée ma propre, soit. Soit je fais l'autre match. Comptabiliser. On met combien de temps? 15 minutes. 3 fois 30 secondes, c'est bien. Voilà. Je vais me regarder s'il y a des personnes qui arrivent. On se dirige ici. Dans les défis, c'est plus pratique. Donc là, c'est toujours le même InQ. Non, là, c'est mieux. Ok. 15 minutes plus 5 fois 30 secondes. C'est à peu près ce que je propose aussi. Et il accepte. C'est chouette. Hop là. C'est parti. Salut. Bonne partie. On y va. Okay. Du coup. Ici, t'as approché direct. Et 17. Mijou bas. Non, je vais jouer bas aussi, j'ai pas envie qu'il passe trop dessous. U5 ou R5. Ou alors il prend lui-même le sien. Non, je pense pas que tu laisses deux Shimari. Enfin, je suis même à peu près sûr que tu laisses pas deux Shimari. Par contre, c'est assez rare du coup. Là, après, c'est un Q en face. Normalement, quand il reste plus que 14 minutes, ils ont déjà joué 15 coups. Eux. Parce qu'ils hésitent entre les deux, hein, tout simplement. Pas du tout. Ok, d'accord. Cette approche. Je sais pas si elle est très bien cette approche. J'ai dit, je sais pas comment répondre forcément, mais je crois que ici tu approches plutôt en 16. Ouais, c'est plus Q16 l'approche ici. Après, si je sais pas comment répondre, c'est bien pour lui, hein, mais. Tac, il s'étend. Je viens ici. Le problème, c'est que ça me donne, bon, on va dire, une sorte de Shimari ici. J'ai gardé le coin. Je suis pas sûr qu'il soit très content. Pas sûr non plus que Q16 soit le bon coup, hein, ça semble très lent. Ok. Monte en Q11 ou en P14.
Et je clôt mon deuxième Shimari. Parce que lui, il va prendre le sien. Ou approcher directement en Q4. Il peut aussi choisir le Shimari à deux directions. Comme j'ai déjà verrouillé en quelque sorte une première, peut-être qu'il aura envie de jouer par ici pour m'empêcher de jouer dans les deux directions. Un Shimari qui peut obtenir deux extensions, c'est très fort quand même. Je pense qu'il hésite parce que en même temps, si j'arrive à avoir mes deux coins comme ça, un et demi on va dire, et que j'ai l'approche en C15, c'est quand même très fort. Il aime bien cette approche, ok. Ok. Ça me dérange pas plus que ça en fait, de rajouter un coup. C'est vraiment très très gros là. Là, s'il me retire tous les faiblesses 6, c'est quand même beaucoup de points. Attention ici. Ça donne presque envie de prendre le Sensen. Il aurait envie de descendre en D3 du coup. On fait notre petit jeu Joseki. Mais comme il serait très plat ici, le coup à l'épaule en K4 plus tard, il ferait mal quoi. Peut-être que pour ça, du coup, là, à la place de jouer à L3, il jouerait L4. Ou directement vers F3. En prévision de. Ok, non, il joue quand même là. C'est très tentant de venir prendre le Sensen. On pourrait presque dire aussi, là, le Sensan, il a eu une extension, le Sensan, le Hoshi D4, il a presque une extension, on va dire très grosse, de ce côté. On n'a pas envie de lui donner de l'autre côté. Donc soit on approche en C6, soit on vient de prendre directement le coin. Moi j'ai envie de prendre le coin. Cool. En face de ses pierres, j'imagine. Ouais. Il monte. Ou pas, ok. Donc il me laisse un Nuki. Ok. On n'enlève pas le fait qu'il y a les réductions. Je peux venir ici, je peux venir là, je peux monter. Pour l'instant, je trouve sympa là. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait envie de se faire écraser en fait. Il viendrait en C8 directement. Et là, du coup, je viens ici. C'est quand même. C'est alléchant pour moi. Ce qu'il y a, c'est que si j'obtiens le E5 par exemple, ça menace la descente en C2. Ça écrase le potentiel. Sachant qu'il y a quand même K4 ou J3 par exemple. Si on ne peut pas le doublonner. Ça, c'est pas aussi gros que tout ça.
Le pousser une fois, c'est trop gros le tournant pour lui. En vrai, j'ai pas mal de points là. Entre ça, ça et ça. J'en ai plus que lui pour l'instant. On continue, il aimerait pas le double annualité de 3 pierres. Je pense qu'il fait Nobby encore. Qu'est-ce que j'aurais envie de jouer derrière? Parce qu'il est quand même assez solide. Simplement du F15 peut-être? L'invite à venir dedans? Soit il hésite à voir le Hané, le Nobby. C'est Nuki, mais je pense pas. Je pense qu'il a pas envie que je joue en H6. Ça écraserait complètement sa forme. Ok. Du combat. Est-ce que c'est malin de faire ça? Ah, tac. Couper. Piquer quand même de couper. Allez, on attaque sévèrement. Il est un peu jaloux par contre parce qu'il se construit un truc, moi aussi, et il accepte pas que je me construise un territoire en échange du sien. Il veut les deux. D'ailleurs, oui, en fait, il aime beaucoup les points. Hein. Il a joué des bases de vie très solides. Ici, il s'est pris le coin. Ici, le double Hané pour récupérer le coin. Ouais, en fait, c'est vraiment son style de jeu. Il me reste combien de temps? Largement assez. Un moment important. Réfléchir un peu. Direct, ça m'attire par exemple des 10. Ça m'attire pas mal le Kema. Ou alors des 8 aussi. Mais avec des 8, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il sortirait presque facilement avec la forme de la fleur en E10. J'ai également E10 moi d'ailleurs aussi. Peut-être un peu lent. Ici en jouant D10. Protège. Et je joue quelque chose comme E14. Pour attaquer un peu. On va attaquer un peu. Je suis en position de force dans le coin, donc ça va. Pas trop que peur de la coupe pour l'instant. S'il vient ici. Voilà, il coupe. Et là. On va se mettre là.
Ensuite. Faut que je fasse attention quand même à la coupe. Faut que je fasse attention à ma coupe. Comment est-ce qu'on fait? Parce que je voulais jouer en B14. En fait, s'il vient en D8, j'empêche de sortir. Ça pourrait être chiant. Sœur, pari. Ok. Compliqué. Si je vais en D11, il vient ici. Si je connecte, il sort. Essayer de bloquer. Ça n'a pas l'air si mal. Ça n'a pas l'air si mal, surtout qu'il se retirerait des libertés. Il y aurait la descente qui serait compliquée pour lui. Peut-être un peu gourmand, mais on va tenter. Me reste 7 minutes 20. Ok. On doit jouer ici. Ça va être compliqué comme séquence. En même temps, s'il vit ici, j'ai plus rien. Il faudra que je fasse quelque chose là. Je viens directement là, non? Manière, si je protège. Vivant, fin de l'histoire. Protège maintenant. On va aller ici plutôt. Ça va être compliqué. D8, connect. Grâce à ça, il peut faire son. Il peut faire E9 à la place d'essayer de sortir comme ça. Ouais. Dans ce cas-là, je fais. Ouais, j'arriverai pas à l'enfermer. Ça va être trop compliqué.
Si je viens ici, je coupe là. Ça a l'air très très chaud, hein, c'est... Recul. On te prend la pierre. Je mets en Atari en E14. C'est chaud. Oui, capture. Je recule. Sauf qu'il a la sortie ici aussi. Ouais, en fait, je vais pas y arriver, je pense. Ah, c'est embêtant. Embêtant, c'est embêtant. Parce que c'est quand même de la jalousie pour lui d'aller là alors qu'on a un territoire équivalent. Et il va s'en sortir et il va garder le sien, et moi je parle bien. Je pense que je me suis fait avoir quelque part. Ah, sûrement même. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Il aurait pu sortir tranquillement, je pense. Capture la pierre. Empêche et il sort par là, non? Attention qu'il essaye d'être un peu gourmand. Que par contre, s'il meurt, c'est vraiment énorme pour nous. Aucune faiblesse ici. Hein, ça, c'est... Faut pas qu'il meure goûté, quoi. Et ok. Je pense qu'ici il a été gourmand. J'allais capturer la pierre. J'allais en 14. Et il jouait justement ce coup. J'aurais quand même eu des pierres assez fragiles ici. Il pouvait sortir, je pense. Là, j'ai même le chichot ici. Faut que je fasse attention. Ok. Ok. Ça marche pour lui, ça? Non. Oh, fait chier. Oh, c'est dur. Et ouais, marche pour lui. Oh, c'est sévère. Du coup, moi je suis quasi. Moi, je suis pas encore vivant là. Je suis pas vivant là. Il faut que je capture quand même. Oh, fait chier.
C'est de ma faute, hein. Ouais, t'es bon. Aïe, aïe, aïe. Ok, il a mis autant de temps à réfléchir parce qu'il s'est dit que je le voyais forcément en fait. Du coup, il s'est dit est-ce que j'ai vraiment lu? Ah, je m'en veux. Ça fait chier, je suis persuadé qu'en vrai, normalement, au lieu d'envahir, continuer en H6, on a chacun notre territoire, il est plutôt bien parce qu'il a même un très gros truc. Et là, il obtient les deux. C'est ça qui est un peu rageant, en fait. Aïe, aïe. Si j'arrive pas à faire quelque chose ici, je peux abandonner. J'ai quand même quelques points, mais pas facile. Ici, il faut que je capture un moment ou un autre. Sinon, je peux mourir. Faut attaquer sévèrement ça, quoi. En profitant de l'adji de je peux ressortir à n'importe quel moment. Je suis chaud. Ouais. Ici. Faudrait que je regarde dans les séquences ici. Bon, je réduis, mais bon, c'est loin d'être aussi bon que sa réduction à lui. Je pourrais aller directement en E2. Là, c'est de descendre. Faire ma base de vie. Suis obligé. Aïe, c'est dur, hein, parce que même ce groupe-là, il est pas frais. Sais pas comment je vais faire avec ça. Sortir aussi, hein. Sauf que là j'ai deux groupes que je dois faire sortir d'endroit. Ça sera pas bon. Il va me faire courir, il va faire pas mal de points sur le bord. Et c'est les coups de la victoire. Hein. En vrai, là il fait H16. Ok, non, il reste prudent. Se casse, mais bon. Tu mets les points. Heureusement que j'ai des gros coins.
On va attaquer un peu, on va essayer de retirer la base de vie, pour voir comment ça se passe entre la relation entre ces deux groupes. Sans faut réagir un peu. Faut réagir un peu. Et ça reste gros en plus. Ça reste gros. Ensuite. C'est toujours le 1 en soi, la réduction peut être pas mal, hein. Et la capture fait mal ici en fait, j'aurais peut-être dû laisser sortir du coup. Après constat, de toute façon, oui, hein. Mieux vaut laisser sortir que perdre des plumes. Ouais, c'est important. Important. Sort un peu. Ce qui va être dur en fait, c'est qu'il est très solide quasiment partout. Ça va être dur. Ouais, il connecte ces deux groupes, normal. Normal, normal. Je peux pas dire non, vraiment. Je peux pas oser faire ça avec deux groupes qui sont stables. Juste essayer de les connecter. C'est très lent, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Problème, c'est que. Par les deux groupes de les deux zones de points que j'ai fait au tout début, j'ai pas de points. Ça change de la partie contre un 3Q tout à l'heure. Alors, salut Pastèque, ça va? Faut que je prenne des points, mais où? Ici. Hein. Ouh, c'est pas beau la forme. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, ça va bien, merci. Ouais. Ça va, ça va. La partie est pas fofolle, mais ça va en soi. S'il peut pas couper, il va venir de ce côté. Se coupe ça? Faut qu'il se fasse attention, hein, s'il est trop agressif, ça renforce de ce côté. Voilà, c'est ça justement. Il faut faire attention à ce groupe. Non pas que j'ai envie qu'il fasse attention et qu'il me tue, mais. Alors.
J'ai envie de couper. Bon. Je vais pas refuser, ça c'est sûr. Il a combien de points? Soixante-dix, soixante-quinze, vers là. Et moi. Ok, il manque une vingtaine de points en fait. Ça va être. Il continue à venir réduire. Okay. Ça va être plus chaud que je pensais en fait. Et il a beaucoup de points. Ouais, je pensais pas avoir 20 points de retard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je regarde un peu les points de coupe par ici. Ils n'ont pas l'air faciles à exploiter. En fait, il y a N7. Je me demande. Faut tenter. Faut tenter, faut tenter. Chir. Est-ce que j'aurais dû faire N7 direct? Si je joue là. Honte. Là. Pas fabuleux ce que j'ai fait. J'ai tout laissé connecté. Aïe aïe aïe. Ah, chier. Bon. Toc toc toc. Faut attaquer, on est en retard. Quelle est la situation? Mais je pense que l'abandon va pas trop tarder non plus. Je trouve pas quelque chose. Je viens ici, monte, et là. Je monte. Il monte, je je fais Atari. Je vais là. Pas descendre ici, il fait atterrir de ce côté.
Je vais ici. Ça a l'air pas mal cette séquence. S'il monte. Monte. Batterie. On va ici. Il fait atterrir de ce côté, tac, ça fait atterrir là et je prends ça. Ou en tout cas, ça réduit pas mal. Pas mal comme petite séquence. Et j'ai même le petit tour. Bah non, non, du coup, il fait atterrir. Allez, il faut faire quelques petites séquences comme ça et ça se passera peut-être bien. Si je bloque ici, il coupe, je vais là, il descend. Je vais ici. Connect. Batterie. Passe, non? Il prendrait ses trois pierres au pire, mais donc j'ai un gain, soit. Qu'il fasse attention à son temps aussi. Je vais ici. Ah, et là, il a P2. Ah. Là, il a P2. Du coup, il fait P2. Je vais en A3. Il va en O1. Il a pas eu. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que même avant aussi, il pouvait tout capturer. J'ai l'impression. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Ouais, c'est ma chance. Là, c'est. Mais c'est. Ouais. Là, c'est qu'ici, il m'a eu à la lecture et là, je l'ai. Parce qu'il se trompe, en fait. Donc, j'ai. Ouais. Trop quoi dire. Mais bon, ça fait partie du boulot, on va dire. Ça fait partie du jeu. Faut qu'il revienne en arrière pour connecter, en plus. Chiant pour lui. Il lui reste plus que 30 secondes en plus. Mais là, ouais, j'ai pris pas mal du coup. Et 20 points d'écart? C'est vachement resserré, ouais, du coup. Faut qu'il fasse attention à. C'est Q10. Q10. Ça menace la coupe ici. Ensuite, on avance là. S'il protège. Ça.
Faire un combo Q10, il protège. On joue Q13. Protège, mais quand j'avance, tac, il y a l'Atari. Ça peut être très chiant pour lui. Obligé de protéger sa coupe. On vient ici. Comme ça, là, il doit protéger le rat. On avance. Ici, il coupe à l'Atari. Non, c'est Hassen. Je suis 2Q là. Et lui, 1. Il n'y a pas marqué les niveaux en haut? Donc pour moi, c'est en petit là. Si, tout en haut là, au milieu, entre les deux horloges. Le tournant ici. Très chiant pour lui parce que ça peut abîmer ses trois pierres. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse attention aussi à pas mourir avec tout ça. Bon, on a de la marge avant ça, mais... ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sera gros de prendre ces trois pierres aussi. Hein. Ce sera très gros. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je joue là, il coupe ici, Atari. Il répond. Je vais là. Il met lui-même un Atari, tac tac. Non, ça marche pas. Peut venir ici, c'est assez gros. Ensuite, il nous reste deux périodes de 30 secondes. Faut grignoter. La coupe ici, est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Ou alors la capture ici est plus grosse. Je me demande. Je me demande. Si je coupe ici, va-t-il. Si, ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air pas mal. Je leur dis, hein, mais ce groupe, faut qu'ils fassent attention. Ça peut vite partir en cacahuète. Juste faire ça. On va essayer de connecter un peu tout ça. D'ailleurs, circule. Attends, il va peut-être jouer là en fait. Sûrement jouer là. C'est le coup de forme. On va essayer de connecter un peu tout ça. Là.
là. Je vais là. Il peut pas couper, sinon je capture. Ça perce un peu tous les yeux. Ici, il n'y a pas d'œil. Pas d'œil. Oui. Attention. Faudrait qu'il monte ici. Ah non, j'ai rien dit. J'allais dire qu'il monte là, je vais ici et il fait son œil là. Si, il va réussir, il joue là. En P6, il en aura un par là, ça va. De toute façon, l'objectif c'était pas de tuer ça non plus. Mettre de la pression. On vient ici. La table, et les formes, le bambou de ce côté. J'ai la chance aussi qu'il ne soit qu'il lui reste qu'une seule période de 30 secondes depuis un petit moment. Bon, il est large vivant. S'il veut, hein, ici. Il a celui-là 100%. Pas convaincu de ce coup que c'est goûté. Je pense peut-être à tuer de toute façon ici. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ne pas perdre par le temps déjà, ce serait bien. Secondes. Faut que je fasse attention, allez, il faut que je trouve quelque chose. Ah, gros ça. Ah, mais ça marche pas. Oh, c'est idiot. Ah, je lui donne des points. Non, il y a A14. Est-ce que c'est plus gros de prendre ça en fait? C'est sûrement plus gros. Ah, c'est santé. L'atari ici, où je pourrais passer par au-dessous. Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Qu'est-ce que c'est éteint? Est-ce qu'il est bon? Après, j'ai pas besoin du son en mode, c'est bon, mais. Il me reste 30 secondes, je dois pas regarder ça tout de suite. Ça qui est très gros aussi. Il capture, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de couper là, il va là. Ça sert à pas à grand-chose.
aller ici. Je vais pas, je protège. Ça a l'air quand même très très gros. J'aurais voulu le S1, mais bon. Quoi d'autre? Il y a S1, il y a T16 pour lui. Je pense que c'était plus intéressant pour lui. Ok. Content de pouvoir avoir les deux. Tous ces coups, hein, là c'est pas mal de grignotage. Il y a G2 aussi, je regarde. S'il descend, je monte. D'abord ça. Bon. L'avantage ici de l'échange, 3 pierres contre 3 pierres, c'est que je suis connecté par-dessous. Donc je n'ai plus grand-chose à craindre avec ça. Je surveille surtout ces pierres-là. Mon câble trouble un peu de position. Ah, il y avait ces trois pierres encore. Ah, oh, je les ai oubliées. Mince, complètement oublié. C'était quand même très gros. Non, ça marche pas vraiment mon coup en fait. C'est pas fou en fait. Je vais passer long. Bon, tant pis. Tant pis pour cette fois. Qu'est-ce que je peux faire? 20 secondes. C'est bête ça. Je donne des points. Par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jouer tout simplement, ce qui reste 10. Je sais pas, j'ai failli perdre dans le temps. Il descend ici. Ouais, c'est un peu bête comme séquence. Hein. Tac, tac, tac. Ici, ici, ici. J'ai pas recompté, mais. Compliqué. Ça, bon, non, de toute façon, ici n'est pas là. C'est pas grave. Je regrette un peu de ne pas avoir pris les trois pierres, et je regrette aussi cette erreur-là. Là, là j'ai donné quelques points. Est-ce que je peux jouer?
ça pour retirer un peu la faiblesse de la forme ici. Si c'est lui qui l'avait joué, ça aurait été chiant un jour ou l'autre, j'aurais dû rajouter un coup. J'aurais R12 qui est chiant, enfin qui est chiant, c'est synthé. Santé. Si je descends, il y a ça. J'ai trop. Reste que des petits détails. Ça sera pour nous deux, on n'a plus que 30 secondes par coup. Oui, j'ai. Ok. Il reste plus grand chose de synthé, j'ai tout joué moi je crois. Ouais, j'ai joué tous mes synthés. Et si de toute façon, même s'il avance là. Une seconde. Peur de la terre ici, connexion, que je fasse une bourde. Quelque chose que je regrette juste sur la fin. Ça fait 3 points. Je suis connecté par là, je suis connecté. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ça permettrait, si je vais là, de avoir un damier ici à compléter plus tard. Connect. Ici ou là, en fait, je pense qu'il s'en fiche. Je regarderai plus tard ton coup hein, S2 au lieu de P6. Comme il me restait que 30 secondes, là j'ai pas regardé plus que ça. Désolé. Ok. Ici, il n'y a rien. Pause. C'est pas des coups fabuleux qui me restent. Il y a ça. Un coche. Ah bah non, l'autre j'ai compris. Quoi d'autre, quoi d'autre? Il y a ça revient la même. Oui. Okay. Tout. Oh, c'était damé, j'avais pas besoin de jouer ça. J'avais pas besoin de jouer ça. Ça a l'air fini. Ça a l'air fini. De vérité des points ici. Ah oui, c'était vraiment très gros ici, du coup. Parce que j'étais en retard de 20 points, en tout cas si j'avais bien compté. C'est. Ça retirait pas mal de points. Et en plus, je m'en suis fait, c'est ça le truc, je pense.
Chouette, chouette, chouette. Elle était sympa comme partie. Faudra vraiment que je regarde ça, qu'est-ce qui s'est passé. J'y pars direct, ok. Alors. Peut-être pas faire comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ici? Trop agressif, je pense en fait. Comment je dois gérer la situation? C'est très tentant quand même ce qui va. Partir à la base de vie d'abord? En même temps, j'ai quand même l'impression que toutes ces pierres elles sont surconcentrées. C'est pas qu'une impression. Peut-être qu'il fallait juste que je joue pour l'enfermer, quoi. Ouais, le Yosé m'a rattrapé. D'ailleurs, sur les autres parties, je crois que c'est le Yosé aussi qui m'a sauvé. Alors que je suis pas dans mes souvenirs, là, quand je jouais il y a un an, c'était vraiment pas mon point fort le Yosé, mais bon, tant mieux. Normalement, c'est enfin, cet été, le Fuseki. Où j'aimais bien, bah justement, j'aime. D'ailleurs, j'ai gardé le réflexe de prendre mon temps au Fuseki. Je préfère. C'est souvent quand même, ça me réussit de faire des groupes solides au début. Des groupes assez solides pour pouvoir jouer librement le reste de la partie. Ici, je pensais qu'il sortirait là, en fait. Bon, après, on a vu que enfin, il a bien fait. Hein. Oui. Non, j'ai cru qu'il allait capturer et qu'il sortirait par là. En fait, ouais, peut-être que ça marche pas. De toute façon, il a trouvé une bien meilleure séquence pour lui. On me dit de jouer là. Bon. Du coup, c'était ça qu'il fallait que je fasse pas rentrer dedans. Courbe de KGS dit que jusqu'ici j'étais bien devant. Ils disent pas qu'est-ce que c'était mon erreur, mais en tout cas ils disent que jusque-là je suis bien devant. Et là ça s'écroule. Donc en fait je dois continuer à l'enfermer. Tac tac. Peut-être juste le laisser pour plus tard. Je pense pas que là ça se tue ça. Enfin, je suis même à peu près sûr que non. Donc je vais là et je suis gagnant dans l'histoire avec le mur. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Là, les trois parties, après trois parties, c'est plus dur à dire forcément. Mais bon, je suis à peu près connecté partout. Plus agréable plutôt que. J'ai dû regarder ce groupe pendant un bon moment, surveiller à chaque fois qu'on joue autour. Je devais regarder si les coupes ne se réveillaient pas. Putain. À chaque fois ici, je devais toujours vérifier est-ce que ça se coupe, est-ce que ça se coupe. C'est vraiment dur de rester focus sur une zone. J'ai eu la chance aussi qu'ici, ils soient moins solides. Là, je pense qu'il est vraiment en avance là. Il a qu'à continuer dans la zone. Intéressant. Élysée. Hein, il protège, je sais pas. Ça enlève vraiment la faiblesse. Non. J'ai fait quoi? J'ai fait ça. D'ailleurs, ici, en fait, si je joue là, tout simplement. Tac. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, on l'a joué dans la partie, c'était comme. C'est une.
Ça passe, quoi. Pour lui. C'est bien mieux pour lui, tout simplement. C'est plus aussi gros d'un coup. Ça aurait été compliqué de faire quelque chose à la partie. J'ai eu un peu de chance, quoi. Mais bon, tant mieux. Et si? Maintenant. Ouais. Voilà, j'ai fait mes trois parties, du coup, je vais m'arrêter là, je pense. On vient de m'appeler en plus. J'ai pas regardé ton S2 d'ailleurs, je vais peut-être regarder ça d'abord. Il a joué ici, du coup. Donc, à la place de P6, P. Faire ça du coup. Pas du tout en fait là, mais. Simplement comme ça en fait. On peut pas faire ça. Et si on vient comme ça, il se passe rien non plus. Et ça. Et là, non, moi je pense qu'il y a rien, je pense que ça vit, hein, mais il y a moyen de se faire chier. R3 après R1. Oui, ça, oui. Effectivement, c'était plus gros. Mais... C'était gros. Oui. Bon, je reste quand même sur un sentiment que j'aurais pas dû la gagner, ça, à cause de mes erreurs à gauche. Je pense que peut-être qu'au prochain stream, je regarderai peut-être de mon côté tout simplement aussi. Je regarderai un peu plus précisément ce qui s'est passé sur ça, sur avec les bots notamment. Je vais arriver. Ouais. Non. Hop là. Voilà. Oui, bien sûr, voilà, on dit souvent aussi que c'est celui qui fait la dernière grosse erreur qui perd, hein, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que, comme je disais dans la partie, ce qu'il a fait à gauche, c'était une belle lecture de sa part. Bon, bien sûr, j'ai fait des erreurs aussi, mais bon, après, on a toujours le sentiment que nous, on est moins bien. Alors qu'en bas, c'est là, on a revérifié encore et c'est plus une erreur de sa part. C'est lui qui a choisi le destin de la partie, en fait, on a l'impression. Ah, merci. En tout cas, après, ça fait plaisir parce que c'est quand même 3 victoires sur 3. Donc, on peut penser qu'on est plus trop loin du premier Q. Parce que il n'y a pas encore beaucoup de parties à l'actif, là. Il y a quoi, une vingtaine. Donc, ça fluctue assez rapidement, je pense. Ça doit aller assez vite. Au petit à petit, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Merci encore pour le raid tout à l'heure. 5 personnes. Merci aux 7 qui sont encore là en train de regarder. Je vous dis à bonne soirée à tous. À lundi prochain. Normalement, lundi prochain. Et bon week-end. N'hésitez pas à follow si vous voulez revoir la chaîne pour avoir la notification. Voilà. Et salut.